suite, bonsoir à toutes et à tous, c'est le Petit Prince. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. On se retrouve de nouveau ce soir pour une nouvelle session GTA-RP sur la chaîne. Comme d'habitude, je ferai comme je peux pour la coupure des épisodes, j'essaierai de faire ça proprement. Désolé, ce soir vous ne me verrez pas, il fait très 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 chaud, donc je ne suis... voilà, pas de cam. Pas de cam pour la présentation. Juste du bon game ce soir, j'espère. Pour rappel, la dernière fois, on avait changé le nom du groupe. On était passé à la PEG. Ouais. Tout va bien, Jérémy? Ça va et toi? Ça va. Ah, moi j'attends là pour aller faire le petit truc. Petit événement là. Quel événement? Le Battle Royale sur Cayo Perico. Oh là! Bah quoi? Bah écoute, bats-toi bien. Par contre, peut-être que tu devrais pas y aller habillé comme ça. Ouais, c'est pour ça. Bah j'ai demandé à tout quel tenue on allait mettre. Moi je vais. Je pense en ce moment tenu bas les couilles. Bah écoute, non, mais sois présentable quand même. Mais je suis pas sûr que porter la tenue de la pègre soit une bonne idée à un événement public. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est événement public, mais qui a rien à voir. Oui. Tu vois ce que je veux dire, donc. Mais certes, je comprends, mais par mesure de sécurité. Ah, on sait jamais, tu vois. Voilà, je suis à la roue si tu veux, tu peux me rejoindre là-bas. Bah écoute, je prends la voiture et je viens te rejoindre. Ok, à tout de suite, à tout de suite. Parfait. Et abîme pas ma Porsche qui est devant la... Ah si, je vais la défoncer. Qui est dans la pelouse, hein. Ok. Pas de problème. À tout de suite, c'est la Porsche de ma femme, donc si tu veux pas avoir de problème, c'est bien que tu... Ah, je comprends, je ferai attention, pas de problème. Ok, à tout de suite.
vous m'entendez bien en tout cas tout le monde? Let's go. Hop, on monte. Bougez pas. Hop, voilà. Je peux vous demander quelque chose, Seigneur? 8 minutes. Monsieur Ander. Ouais. Je dois vous parler 2 minutes. Bonsoir, vas-y, vas-y. Bonsoir. Je vais faire une tournée, moi. Allez-y, hein, pour la roue. C'est gentil. Ouais. Ouais, si je, dire, je vais faire une tournée, moi. Je reviens. Ça va. Vous allez bien? Oui, oui, bah j'attends mes 5 minutes avant de tourner ma roue. Ah, ça doit être un petit peu lent. Oh, ouais. ça fait 14 minutes que j'attends. Oula. Bah ouais, mais je dis, je vais pas repartir, hein. Il reste 14 minutes, 15 minutes avant. Ah, ouais, j'ai dit, vas-y. Hein. Eh ben, quoi, on va attendre. Monsieur. Ah, merci. Peut-être. Non, il y aura 7 minutes encore. Ah, je suis trompé. Bon, à chaque fois, je... Ouais, merci, bonne journée. Bonne soirée, ouais. Bonne journée à vous aussi. Ah, j'étais sûr que non. Ah ouais non. Il y avait à la banque. Non, okay. Je vois pas de quoi tu parles. Ok, c'est Seigneur. Non, non, excusez-moi. Excusez-moi, Seigneur. Tu viens avec moi? Je vais à la banque. Ouais, moi, hermano. Je viens de gagner. Gagner, hermano, 6000. Oui, moi aussi. Je viens de gagner 6000. Ça va faire de bien à mon compte en banque. Ah, par contre, si tu veux rester copain avec la patronne, avec ta patronne, tu ferais mieux de changer la couleur de ce véhicule. Hein. Oui, je vais te. Au pire, on y va ensemble. Ouais, regarde les miens. Noir mat, je mets noir mat. C'est suffisant. Ouais, je viens d'acheter cette Porsche. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est la Porsche de madame. Tu me l'as dit au téléphone, tu es bête. Ben, c'est la mienne maintenant. J'arrive. Allez, on va au custom. Fais chier, bordel de merde. Là, c'est fermé, moi, hermano. Aïe, 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 putain. Attends, je crois que je passe à coup de fil. Oh, que tu es beau avec cette machine. Merci, merci. Hola, moi, hermano, comment ça va? Tout va bien, Pablo? Ça va, y'a un putain de fils de pute qui vient de voler mon véhicule. Non. Ouais, toi ma petite mini rouge là. Oh putain. Il l'a volé, attends, je suis en moto, il fait un accident. C'est là, oui. Je peux? Quoi? Je peux me mettre ma face sur ton siège? Mais bien sûr, roule avec. Non, je vais pas rouler avec, je vais juste voir la gueule que ça a pour le moment. Vas-y.
Et comment, toi il fait un accident, il s'arrête même pas toi. Ah, déjà le siège arrière il est confortable. C'est un bon achat. Merci, merci. Bah oui. Tu as payé ça combien? 30 minutes. 30 000? Ouais. Vraiment? Ouais, ouais. Aïe aïe aïe, mais tu l'as pas trouvé. Tu l'as trouvé dans le catalogue ou dans le catalogue annexe? Si tu vois ce non, que je veux dire. Dans le catalogue annexe. Ah, je vois, je vois. Ouais, ouais. Ouais, si vous trouvez ma mini rouge, envoyez-moi une petite position, s'il vous plaît. Eh ben, sinon, si on trouvait ta mini rouge, tu sais, moi j'ai ma masque 30 secondes et puis c'est réglé. Hein, ouais, non, mais oui. Moi aussi, j'ai tout ce qu'il faut dans le poche. Ouais, mais normalement, tu n'es pas censé avoir tout ce qu'il faut dans le poche quand tu seras en ville pour les civils, tu vois. Ah, ouais, je vois. C'est peut-être okay. Bien évité, moi je suis parti direct dans la maison pour venir rejoindre le frangin, tu vois. Ah, ok, ok. Bonsoir madame. Bonjour. Vous allez bien? Il n'y a aucun mécano, c'est ça? Malheureusement, il est fermé, je crois. Ah d'accord, ok, pas de problème. C'est quoi comme voiture, ça? C'est une coquette. Ah ouais, c'est une coquette, ok, elle est belle, hein, franchement. Oui, c'est joli. Merci. Porte bien son nom. Merci. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison? Ouais, bah écoute, c'est fermé, ouais. C'est la merde. C'est la merde, ils sont toujours fermés ici. C'est si tu dois y aller. Non, moi ça va, non. Ouais, fais passer à côté de toi. On va faire un petit détour au frat Mecca. Il faut que je nettoie la bagnole. Putain, il me gosse. Ouais, vas-y. Pas de soucis. Attends. Mais tu veux pas venir avec moi? Bah, vas-y, viens, moi je te suis. Bah, ouais, mais le frangin il s'est barré. Je pensais qu'on y allait tous ensemble. Je l'appelle. Vas-y. Mais vous êtes pas sur la radio? Ah, j'ai pas la bonne. Allô? Franck! Oui, viens, faut que j'aille faire lustrer la bagnole, elle est dégueulasse. Ah, où ça, au frat mécanique? Oui. Ah, ok, attends, je change la direction alors, okay. Allez, à tout de suite, on se rejoint là-bas. C'est quoi la radio? La radio, c'est 335.25. Oui. Ok, je l'ai. Nickel. Tu as mis le frat mécanique sur ton GPS? Allez, mets-le. Je suis en feu rouge. On est parti? Allez, go. Merci, vous êtes trop gentil. Vous avez besoin d'autre chose en plus ou Ah, pour moi c'est bon, c'est mon frère là. La même chose. Un petit coup de chiffon s'il vous plaît, okay. Monsieur. Tu pourrais dire vous bonjour monsieur. Moi, vous allez bien? Ouais, ça va très bien. Désolé, bon. je suis un petit peu. Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, c'est normal. Bonsoir. Faut arrêter la coque, Herman. De quoi tu me parles? Tu me parles pas de ça. C'est mauvais. Ah, vous faites ouais, c'est mauvais pour l'instant. Comme toujours, à chaque fois que je vais vous vous faites un travail formidable. Ah, magnifique. Dites voir, vous avez pas le droit de juste enlever le lacrage. C'est interdit ça pour vous. Ah non, on peut pas. T'en fais chier, ils sont pas ouverts le custom, mais ça me gonfle.
En même temps, custom. Aïe. Allez, bon courage, messieurs, merci beaucoup. Ah, bien sûr. Un super bon travail, merci beaucoup. J'aurais mis le portail. Ouais, ok. Vas-y, on se retrouve tout de suite, là, si vous voulez. Armano, attends, parce que rappelez-moi la fréquence. Ouais. Parle pas fort, hein. On rentre à la maison ? Dis-moi. Bah évidemment je t'offre la couleur. Non, je te parlais pas de la couleur, non. Attends, je t'explique la vie là, viens. Oui, pas de problème. Roulons en convoi au pire. Quoi ? Roule en convoi. Ok, ok. Tu te mets derrière et tu roules pas trop vite. Ok. On arrive là, là. Ah, ok, voilà. Le papa il est là, il pénètre dans la zone. T'as rentré, hein. Ok. Vite, rentre là. Tu me laisses pas passer. Ah, théoriquement, tu dois laisser faire la manœuvre, hermano. Ouais, j'en ai pris un auto, je me sens pas. Et un mec qui m'a donné un autre explosif, je pouvais pas bouger, j'ai pas compris. Ouais, viens. Mais ils ont vite abandonné leur plan parce que. Y'a que des belles voitures ici, sa mère. Hein. Putain, ouais. Ok, il y avait un truc de prévu. Hey, je suis choqué de le voir en costume, c'est bon. Il est beau comme ça, ça lui va bien. Il est beau. Waouh. Wow. Ma gueule. Ah, je suis choqué. Waouh. D'habitude, c'est craqué de chaussettes, survêtes. Vous allez bien, les gars? J'étais au travail, ma gueule. Ah, trop fort, t'as changé. J'ai cru que j'allais mourir, mais ça va. J'ai cru que j'allais mourir il y a 2 minutes, mais ça va. Il y a des belles voitures ici. Pourquoi? Parce que tu es pas bon pilote, hein? Non, y'a un mec. Non, y'a un gars, il. Parce que je crois qu'on t'a vu là, arriver. Bah ouais, j'étais en otage. Ah, c'est pour ça que tu roules aussi doucement? Ah ouais, on m'a pris en otage, ils m'ont mis un nounours explosif dans les mains, mais je sais pas ce qu'ils voulaient faire, les mecs. Mets-toi à sombre. Ils voulaient faire un truc avec les flics et les flics qui. Putain, si j'avais su, je me serais arrêté. Ouais, ça après.
qui sont venus, mais je sais pas, ils sont repartis. Ah, mais de toute façon, c'est pour la battle, ça va. Et vu qu'il y a un truc ce soir, ils m'ont dit, je posais la question, c'est duré longtemps, ils m'ont dit, vas-y, je suis tranquille, tu peux partir. Donc, l'hermano, c'est clair, quand vous avez quelqu'un à recruter, comme ça, vous avez tous le message, ok? Quand vous avez quelqu'un à recruter, comme on faisait d'habitude, on vous me l'amenez, bien entendu, pas ici. Vous me l'amenez à l'ancien quartier. Okay. Les recrutements, on se chargera de faire tous les recrutements là-bas à l'ancien quartier. Donc si vous rencontrez un petit brigand là qui s'amuse à postuler pour du travail, on va dire, vous lui dites que vous pouvez lui donner un rendez-vous avec des gens qui pourront l'aider au quartier. Okay. Bonjour tout le monde. Moi, ça va, Carlito. Hola, Carlito. Très bien. C'est vrai qu'énerve. Tu as résolu ton problème d'hier, toi. Problème de ballast, quoi. Ouais. Non, ouais. Tout le temps pas, non. Viens avec moi. Ah. Tu as besoin que je sois là ou pas? Ah, si tu veux lui tenir. Les coconettes, là. C'est qui? T'as rien, non? En plan. Bah, c'est gentil de m'offrir une Porsche, Pablo. Ah, c'est vrai que c'est belle. Ouais, non, mais je trouve que Pablo, depuis qu'il est lieutenant, il est blindé là, hein, on regarde avec Mako, la Porsche. Ah mais il travaille aussi Pablo, il travaille, donc il est payé. Bien sûr. Oui, c'est pas gratuit. Moi je travaillais pas, regarde dans quoi je me trimballe. Ah, il y a une différence. Ah, c'est pas tout à fait pareil, et puis... Non. Elle est d'origine la tienne. C'est vrai. Pablo. Quoi? Elle est d'origine ta voiture. Oui. Oui, voilà, c'est bien ce que j'ai dit, il y a une différence, je l'ai vu sur la route. J'ai pas honte de le dire, il en a plus sur le capot pour le coup. Ah, tu m'étonnes. T'es nouveau là-bas? Moi? Ouais. Non, moi je fais partie de la PEG, j'étais pas là hier soir. Ah, encore. Ah, d'accord. Oh, enchanté. Oh, voilà. Ouais, enchanté les gars. Enchanté. Moi c'est 18. C'est 18. Enchanté. Moi c'est le jeu de Pazienza. Comment? Ah, c'est toi. Ah, ouais, c'est galère. Ouais, c'est galère à dire. Ah, c'est italien, je connais ça. C'est Corse. Ouais, c'est Corse. Je peux t'appeler Pasta Box ou pas? Non, tu l'appelleras à 18. Hein. Ouais, 18, c'est ouais, bon. 18. Ouais, ah, non, ouais, 18. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Jérémy. Pasta Box. Bah non, mais parce que je Jérémy, tu viens avec moi derrière le garage, vite fait? Ah, non, allez, Jérémy, au revoir. Eh, en fait, là, je suis chaud, là, j'ai déjà ma tenue, là. Tu viens? Bah justement, t'es chaud. Viens avec moi. On va derrière le garage. Du coup, y a qui? Arthur, je peux le frapper. Y'a qui là? Non, pas besoin de le frapper. Comment dirais-je? Ensuite, Diego, il est soldat, je crois. Regarde-moi, Jérémy. Diego. T'as dit quoi? J'ai un privilège qu'on l'ait au gradé. Je peux mettre la gifle. Ah ouais, voilà, je peux mettre la gifle, c'est pour ça, tu vois. Ouais. Pourquoi? Je comprends. Non, mais après, voilà, c'est... Oui, j'ai... Vu que je suis un haut gradé, j'ai la gifle. C'est le prime. Ouais. C'est qui lui a collé? C'est... Ah, il a volé ou quoi? Ouais, il a volé. Je pense qu'il l'a aussi, Pablo. Attendez, ça va être difficile, je te le dis. Ouais, moi aussi, c'est difficile. Pablo? Oui. Putain, c'est trop la galère, j'ai oublié. Tu lui as mis un gifle? Ben oui. Il respecte personne. Ah, tu lui as mis la gifle? La gifle de sa vie, du coup. Et bien sûr, il respecte personne. C'est pas beau, ça. On est d'accord sur ces points-là, il a pas beaucoup de respect. Ouais, Jérémy, le duel, je le connais. Mais tu as ouvert la pomme de ta mère, on est d'accord? Bien sûr. Oui, c'est ce que me semble. Et ça, c'est une belle voiture quand même, hein, c'est ça? Ouais. T'as des bruyantes, hein. Allez. Ça fait mal aux yeux, la couleur. Oui, je suis d'accord, c'est un peu épileptique. Ouais. Laquelle est là? Bon, je pense que... Ça, c'est celle de la patronne. Celle-là? C'est celle des patrons, ça. Celle-là? Ok. Et ça, c'est... Mais ça, c'est bien. Bah oui. Viens, on va l'exploser. Ah, quel bâtard! Toi qui me le vois... Ah, quel enculé! Je pense qu'il c'est pas propre, ce qu'il fait. Il est vexé, Pablo. On a cogné sa Porsche. Oh lolo. Eh, il faut que ma voiture, l'autre qu'on a. Mets-lui un gifle. Porsche. Non, t'inquiète. T'inquiète qu'on va venir là. C'est à quoi la Porsche sans l'aileron? Je l'ai vu faire, bordel. Laquelle? La Porsche sans l'aileron. La Porsche sans l'aileron, oui, c'est au monsieur. Ah ouais, comment t'as fait pour l'enlever? Parce qu'il est comme ça, non? Non, oui, je l'ai comme ça. Ah ouais? C'est un modèle d'origine. Putain, la chance.
Et la rouille devant elle est dégueulasse. Non ça va. Non ça fait 15. Vous êtes sérieux, c'est ma bagnole. Ça fait 15. Non mais c'est, il faut que je change la couleur pour la sortir. Il m'a dit qu'il avait du travail pour moi peut-être pour la mettre. Tu vas pas, tu vas pas sur Cayo Perico. Ouais ouais, moi je vais le faire aussi. Mais ça va 21h hein. Ah moi j'y vais pas. Ça va 21h ouais. Vous allez pas. Mais attends, comment on y va là? Moi j'y vais. Il y a des taxis qui t'attendent au port normalement. Comment ouais. Ça, Franck? Moi je vais aller soulever tout le monde, je vais gagner la voiture et je vais te fumer, Franck. Oui, ouais, je me souviens comment, oui. Comment tu m'as fumé hier devant la Tour Eiffel, waouh. Oh, allez, les guillemets, je t'ai fumé. Demande ce qui t'a coûté, ouais, toi. Juste, je me suis arrêté. Non, je me suis arrêté dernier, dans l'herbe. Tu es arrivé en dernier, c'est tout ce qui compte. Tu es arrivé en dernier, c'est tout ce qui compte. Bref, t'auras aucune chance avec ma nouvelle voiture, t'inquiète pas, Franck. Attends, c'est qui parle? Un détail, hein. Carlito. Un détail, Carlito. Oublie pas que le bébé qui est là, déjà il est d'origine. Et qui te dit que j'ai pas quelque chose voilà, et oh, regarde ces gens, regarde ces gens. Ah, je sais pas, hein. Ouais, je vois ça, c'est vieille gente. Mais bien sûr, c'est magnifique. Ouais, ouais, bon, les gars, il y a qui va sur Perico là? Parce que moi, je me suis fait maintenant. Moi, mais il faut y aller, les gars, allez, c'est moi, gros. J'en ai en plein. Chat, ta mère. Il a pas loupé le con, hein. Aïe. Il a une de ses forces, Pablo, là, il endort tout le monde. Quelqu'un qui a la même force, tu peux essayer. Non, merci, non. Il a moitié mort. Tu demanderas à Carlito. Je suis à ma voiture, c'est malade. Ah, mais t'as raison, hein. Ça coûte cher, ça. C'est bien sûr. Je te dépose, Titi. Non, tranquille. Y a Tommy, je vais voir avec lui pour le travail. Ouais, j'ai travaillé un peu, là. Hey, il a beaucoup de force, c'est vrai. Et ça me fera toujours rire. Le voir voltiger comme ça. Oh, il a retourné pour le pied, donc il est dans la merde. Attends, je vais poser là le gun, parce qu'on peut pas aller avec des armes. T'as pas d'armes sur toi, moi. Non, faut se voyer le sang, je peux plus les armes. Comment tu dis, Manon? Voyer le sang, les armes. Arrête, c'est bon. Non, il faut aller le sang, les armes. Il dit que ta mère. Est-ce que c'est toi? Mais vas-y, je m'excuse, tu as niqué ma voiture, c'est quoi, je m'excuse. Ah. Ils sont tarés. Oh. Arrêtez les gars, non, c'est bon. Non, mais ils comprennent pas, C'est la dernière. Que tu peux pas faire ce que tu as fait normalement. C'était la dernière, gros, c'était la dernière. Ah, mais gueule. De quoi? Tu sais que ce que tu as fait normalement, tu as pas le droit ouais, de le faire. Ouais, y'a pas abusé, y'a pas abusé. De quoi? Ouais, c'est pas grave. Ouais, non, ouais, mais il y a pas de idée. Il faudra que je ferme les yeux au bon moment. Ça va? Ferme les yeux sur quoi? Allez. Sur le nom. Allez, laisse-toi le retour. Allez. Hein? Putain, tu as vu, ils comprennent pas, gros. Laisse-toi enculé! Putain! Ils comprennent du tout. Ils comprennent pas. Arrête. Du cadavre là, c'est quoi moi là. Du coup j'ai fermé les yeux au bon moment quand je... Bref, sur l'énorme shoot que tu avais avec la voiture. Ouais, mais je l'ai écrasé. Normalement t'as pas le droit à ça. Ah bon? Oui, c'est oui, bah oui. Un peu, ouais. Mais je fermerai les yeux au bon moment, t'inquiète pas. J'arrive, j'ai mis une autre prototype pour aller là-bas. Ah ouais, moi j'ai changé de mot. Moi, ouais, tu veux jouer? C'était moi qui devais monter. Non, il parlait à Tony par là. Eh, Tiki, tu dois aller manger pour aller faire un battle royal. Ouais, on va le changer. Tu attends le boss? Attends, Franck, viens, j'ai envie d'essayer un truc, viens. T'as envie d'essayer un truc? Toi devant le coq. Oui, tu vas essayer de me mettre dedans, oui. Ouais, mais juste j'essaie parce que j'ai jamais fait. Oui, tu l'as fait hier avec Jérémy. Non, ça va pas marcher avec Jérémy. Demande-lui si tu veux. Essayez, ça marche toujours. Pas. Peut-être parce que t'arrêtes. Peut-être parce que t'arrêtes quelque part parce qu'il veut pas me remettre. Il veut toujours me mettre ce masque de clown de merde là, putain. Vas-y, viens, on y va. Bon, bah. À tout à l'heure alors. Délicat. Attends, viens faire le battle royal, que tu fous de ma gueule. Tu crois que je vais aller tirer sur des gens? Putain de merde. Putain. Franck, attends ma femme à la maison alors. Oui, pas de problème. Sera là à 21h30.
Ah bah écoute, pas de problème, je vais aller m'amuser. Et moi qui pensais que j'allais te mettre une cartouche entre les deux yeux là, putain. Je te laisserai jamais ce plaisir là, tu le sais. Tout a toujours été fait pour qu'il n'y ait pas de raison de me cartoucher, tu le sais très bien. Ah maintenant avec ta patate de forain là, je me méfie hein. Écoute, pour le moment, moi j'ai j'en pas connais dit un, j'en connais un qui est pas prêt, hermano. Ah oui, oui, je pense, oui. Je crois, signor Brasi, il est pas prêt, hermano. Oui, je pense qu'il va voltiger un petit peu, oui. Il a voulu me faire la peau et se frotter à Franck n'a jamais été une bonne idée, tu l'as toujours su. Tu m'en veux pas si je fais. Si je provoque un contre un. Au contraire, j'ai envie de le voir voler devant tout le monde. Plus il y a de gens, et meilleur c'est plus drôle comme ça, tu vois. Et merde. Putain, je suis tombé dans la piscine, je suis mouillé maintenant. Ah et merde. Mon brushing. Je vais aller à la banque la plus proche, on va aller poser les thunes et on va retourner à la maison. On a un peu de temps pour le faire normalement. Je vais être franc avec vous, j'ai pas vraiment envie de me taper sur le monstre. Ah, faut que j'aille à la station de service. Ils sont tous dans le sud, bordel. Il a pas une proche là. Une gasoline là, pas trop loin là. T'as la plus proche, elle est là-bas quoi. Castios. Merci beaucoup.
assez long le sens quand même. C'est long, c'est long. Allez, on est bon. On sort le feu. Ah, je vais me retrouver tout seul en radio. Ah, c'est bien ce que je pensais. Cassez-vous les dents, ce sera mieux.
truc d'où il veut. Ben écoutez, je pense que je vais couper l'épisode là. Ça a été un petit épisode cool, tranquillou, peine pause. Je vais vous laisser là. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.